ba fi may wax ak yow am ñuy wax ni mënu guñu am engrais lutax mënu ñu am engrais té nénañ engrais bi ñëw na kon système bi di tambalé ci système bi tambalé ci ca kaw ba ci souf ñi ngi ñaan président de la république mom rek lay wax moy touré sénégalais mo ñu jité du sun kilifa na loola nako nako saytu xol ko ba am ban jafé jafé ba fi may wax ak yow am ñu am problème engrais loola nak nañ ko xol ba xam ñi wara am am ñi nga xamé ni man nañu jot engrais ñu jot engrais tax ay tool mën ta xaar système bi ñu nek naan tay dana ñew suba dana ñew ginaa suba ki matal na ki matalut loolu baykat mënu ko xaar nañ ko régler lu mu gëna gaawé loolu ma ngoy ñaan président de la république bi ci top ma ngoy ñaan niko engrais bi serna kayitu daw 2021 engrais DAP mi ngi doon jar 10000 UE bi doon jar 9000 muy 2021 président de la république signé wane benen kayit bo xamné ñu ngi ko signé le 26 avril bi ñu genn yokkat engrais bi mi ngi joggé 10000 ak 9000 engrais bi dama fi may waxé né urée bi joggé na 9000 dem 18750 ah xol le 9000 18750 DAP bi joggé 10000 dem 16425 ñi ngi ñaan président de la république bu fekké ni bay dund lañ bëgg buñ ko bëggé engrais bi li mo ab baykat mënuko wiyalé nañ ko xol bu baaxa baaxa baax mi ngi doo génn le 26 avril bi képp la génn gun na xol nu mi def ak système bi ak nan lay def ba jàppale baykat yi lépp yokk produit yokk na engrais bi bëgg a yokk lamin bëgg a yokk te mbay mi la yàlla xam doy na jafe-jafe yi bari na ñi ngi ñaan man président de la république lay waxal ñi fi nekk ñëpp mooy seen kilifa du ma tudd kenn moom mooy responsabilité bi na xoolaat système bi xool ñi mu fi teg xool ñi mu fi yëlëf xool ñëpp ñu waxtaane ko xool ba xam ni ñu ngi def boo du jàll engrais moom bu demee 18750 yii képp ku bay doo ci génn jafe na fan yee nag def na loo xam ne ñëpp kontaan ci muy padi bi yokk na ko yokkoon na padi bi def yóbbu ci 32 francs yi ñëpp kontaan ñu ne ah waaye 32 la sans nangam la woon 32 la ci yokk 32 yi bi ñu ko ci yokkee ñëpp kontaan waaye ndeke booba ñun jàpp nañu tey engrais bi yokk na ko ndey jàpp ne maye ndeyjoor la nangoo ca moñ te loola kenn xamu ko bu fekkee dafa jàpp ni 32 francs yi ñu may moo tax mu yokk engrais bi wala lii laay war sori na génnwaat 32 yi yóbbul ñu ko ci engrais bi dellu engrais fi mu nekkoon ndax 32 yi bu fekkee ni moom rek moo tax mu bëgg a yokk engrais bi yóbbu ko 18000 wax dëgg yàlla loolu jafe-jafe la na ko ñu la 32 yi andi ñu ko ci engrais bàyyi engrais bi fi mu nekkoon kon mayam ndeyjoor rocc càmmoñ la ñi ngi ñaan nag mboolem koo xam ne yaa ngi réew mi te mën a wax ak moom ñu ngi lay ñaan nga ngeen wax ci lii jafe-jafe yi bari na trop aujourd'hui nous avons vu les prix des intrants agricoles l'urée passer de 9000 10000 à 18750 francs le DAP dont nous avons les mines ici au Sénégal avec les ICS dont nous produisons ici passer de 8800 de 10000 à 16425 francs donc avec ces et en plus de cela il y a les produits phytosanitaires à savoir les herbicides également qui ont connu quand même une très grande hausse pour cette campagne-là. Donc avec toutes ces augmentations-là, il sera très difficile pour nous les producteurs de riz de s'en sortir. Raison pour laquelle lorsqu'on a vu le ministre de l'Agriculture sortir l'arrêté fixant l'augmentation des prix des engrais, nous avons jugé nécessaire d'en parler et quand même vraiment de demander au président de la République de savoir que s'il a vraiment de la volonté pour développer le secteur agricole, notamment le secteur rizicole, avec ces augmentations-là, c'est impossible. On ne peut pas s'en sortir avec ces charges de production.